des finances. Le Saint-Esprit libère des finances. Maintenant même, reçois ta délivrance. Tes finances ont commencé à être libérées. Tes finances ont commencé à être libérées. Oui, reçois ton miracle maintenant. Le Saint-Esprit te touche. Là où tu es. Feu. Je condamne l'esprit de la sorcellerie. Je te libère. Maintenant même. Et te libère. La puissance de sorcellerie vous libère. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Ces sorciers vous libèrent maintenant. Amen. La vie vous libère maintenant. Amen. Recevez la délivrance maintenant. Amen. La puissance de Dieu vous touche. Amen. Recevez vos délivrances maintenant. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous établis dans tous vos droits spirituels. Amen. En vous ouvrant les grandes portes de bénédiction. Amen. Recevez la délivrance. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous libère de l'esprit du célibat. Amen. Je vous libère de l'esprit du non-aboutissement. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. La puissance de Dieu te libère. Amen. Reçois en bas. Ta délivrance. Mets ça là. Reçois ta délivrance. Amen. Au nom de Jésus. Amen. La puissance de Dieu te libère. Amen. Là où tu as été. Amen. L'Esprit de Dieu te touche. Amen. Dieu libère ton entreprise. Amen. Dieu libère tes affaires. Amen. Dieu libère ta maison. Amen. Amen. Jésus-Christ. Amen. Recevez la délivrance. Amen. Recevez le miracle de Jésus. Amen. Recevez le miracle de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je vois qu'une onction spéciale plane sur vous. Amen. Et le Seigneur se manifeste en fait de pouvoir sécuriser vos vies. Amen. La puissance de Dieu vient jusqu'à toi. Amen. Et la puissance de Dieu confond l'œuvre des ténèbres dans ta vie. Amen. Recevez le miracle de Jésus. Amen. Recevez la délivrance. Amen. On dit Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On peut acclamer Jésus. On essaye de faire l'effort pour bien organiser la réception. À partir d'aujourd'hui à 17h, nous allons recevoir des personnes par vague. On va commencer à recevoir des personnes de 100 personnes. Je crois qu'on aura l'occasion tout à l'heure. La personne est là pour vous communiquer la salle maintenant. Parce que après ça, je ferai le benduit tout à l'heure. C'est possible de faire ça ici? Ok, on fera ça tout à l'heure d'ailleurs. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, c'est des rencontres privées. On aura l'occasion d'échanger avec vous. Vous donnez nos rétentions prophétiques et prier pour vous. Vous souffrez terriblement. Et Dieu veut nous faire sortir de ces souffrances. Amen. C'est lui qui dit, je bénirai l'œuvre de ta main, s'il vous plaît. Vous avez besoin d'être béni. J'ai besoin de sortir cet individu. Si vous n'êtes pas béni, il sera même difficile de mettre la parole de Dieu en pratique. Amen. Une personne est bénie et chaque jour glorifie le nom du Seigneur. Amen. Une personne a des difficultés, elle ne fait que confesser les péchés. Amen. C'est comme ça. Quand une personne a le péché dans les trucs, elle, mais les difficultés, c'est les péchés qu'elle confesse. Oui. Or, quand une personne est bénie, elle ne fait que adorer Dieu. Amen. Or, Dieu dit, il mettra la différence entre vous qui le servez et ceux qui le servent. Amen. Vous devez être un témoignage. Amen. En voyant vos vies, il faut que les gens glorifient le nom du Seigneur. Amen. On pense que vous êtes dans un endroit où il y a l'argent, l'Europe. Vous allez n'importe quel Africain, vous allez dire aux gens, je viens de l'Europe, ils vous voient un millionnaire. Amen. Parce que les 1000 francs, chez nous c'est 600 000. Quand on a 1000 francs, ça n'a pas fait sens de 3 personnes. Vos 10 000 francs, ça peut construire une maison chez nous. Ça peut acheter voiture. Oh non, 10 000 francs, ça peut même acheter paire de baskets. Oh, vous êtes venu dans un territoire où on pense qu'il y a l'argent. Vous travaillez, vous gagnez peu. Et le retour, le diable vous a bloqué. C'est de ça qu'il s'agit. On a peur.